depuis la 9e saison de L'amour est dans le pré, à laquelle elle participait. Virginie est devenue l'un des visages incontournables du programme. En juin dernier, la viticultrice Cash avait organisé des retrouvailles entre les candidats emblématiques de l'émission de dating. En effet, Virginie avait initié des portes ouvertes au sein de sa propriété. Un événement auquel avaient participé des agriculteurs célèbres de l'émission, parmi lesquels les Gersois Pierre et Frédéric ou encore Claire Fourcade. La candidate éleveuse de volailles de la saison 10. Quelques mois plus tard, Virginie, que l'on avait vue en 2014 sur les écrans, a eu une merveilleuse nouvelle à annoncer aux téléspectateurs. Ce lundi 13 septembre 2021. L'agricultrice originaire de l'Aisne a profité de son passage dans L'amour vu du pré pour annoncer une merveilleuse nouvelle. En effet, Virginie va épouser son compagnon Thomas, ancien gendarme qu'elle rencontrait après des déceptions amoureuses à la suite de sa rencontre avec Mathieu et Maxime. Les deux tourtereaux, faux amoureux, ont déjà accueilli leur premier enfant. En effet, Virginie, déjà maman d'une petite Émilie, avait donné naissance à une petite Lucille. Ils s'étaient également pacsés avant de se lancer dans le grand bain avec un mariage qu'ils souhaitent mémorable. Leur mariage est prévu pour le mois de février 2022. Et c'est aux Maldives qu'ils se diront « oui ». On sera tranquille, juste entre nous. Parce que les gros mariages, ce n'est pas que je n'aime pas les voisins. Mais quand on est beaucoup, trop, on ne profite pas assez de nos invités. Ce sera le plus beau jour de notre vie. Mais en même temps, chaque jour est merveilleux ensemble, a expliqué Virginie, qui a elle-même demandé son conjoint en mariage. Un couple moderne, vous avez dit ?